trois meilleurs temps en fait, des trois jours. Donc le troisième en windsurf et le troisième meilleur temps, c'est Volodia Ventier en 12 minutes et 40 secondes. Merci de se rapprocher sur le côté de la scène pour venir chercher vos cadeaux, Ronny Barsara. Le deuxième meilleur temps et le deuxième des windsurfers, c'est Michael Guillot en 12 minutes. Et le premier des windsurfers et le meilleur temps du week-end sur l'aller-retour entre la plage donc, et les Évins, c'est Johan Flory en 10 minutes et 40 secondes. Bravo! Bravo, donc un record qui reste toujours de 6 minutes 44 hein, pour le moment depuis l'année dernière. Hein. Bravo, félicitations. Merci. C'est Sarah qui te remet le lot et qui te fait le bisou. Bravo Julien. Merci. Les photos, tu restes un petit peu dans le coin pour les photos. On va enchaîner. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Brest Kayak qui est encore parmi nous? On aurait bien aimé que notre partenaire Brest Kayak puisse être présent pour la remise des prix concernant donc. La journée, c'était vraiment un coup d'à-coup entre les catamarans, les kitesurf et le windsurf. Et là, tu as prouvé que le windsurf était, dès qu'il y avait les conditions un peu soutenues, était quand même un engin très très rapide. Donc, Bruno Perron et Jean-Claude Riencourt ici présents vont te remettre le permis d'honneur. J'en profite pour dire toute mon admiration et tout mon enthousiasme à l'ami Harold. Et je pense qu'on peut lui faire un applaudissement général de tous les partenaires, participants. Merci à la ville de La Baule, merci aux partenaires. Et à Epipi Poura, Harold. C'est sans aucun doute une grande classique qui est née, une fête de la mer à La Baule. Bravo Harold. Ça réunit beaucoup de monde de milieux différents, mais on fait tous un sport de glisse, mais ça permet de réunir plein de personnes, de faire des belles rencontres, et merci encore, très bel événement. Bravo à toi, bravo Harold, encore une fois. J'aurais bien voulu vous rejoindre hier sur l'eau, mais malheureusement, je suis arrivé un peu tard, pas grave.